nord-ouest de la province de Québec, les villages naissent ou meurent au gré de l'or. De l'or qu'on trouve soudain ou qu'on ne trouve plus. Pour mes poumonnets crier dans le vide. J'avais dit de m'attendre à l'épicerie, mais... Quand il s'agit de rendre service à sa mère, il n'est jamais là. Oh, quand c'est le temps de préparer un mauvais plan, par exemple. Oh, les enfants sont tous pareils. Je pourrais me compter chanceuse si j'ai tous les miens à la gare cet après-midi. Ouais, ben surtout comptez-vous chanceuse de déménager. Ah, pour ça, oui. Mais vous-même, Mme Leblanc, peut-être que si vous essayez encore une fois de convaincre votre mari... Peut-être que... Aristide, non. T'as vu un bout de cesser mourir de misère puis d'ennuyance. Tu vas compter que cette année, tout arrive en même temps. La mine qui est fermée, les vacances, les chaleurs. Et Aristide qui grogne chaque fois qu'il est question d'une place à Val-d'Or. Vous connaissez, il s'imagine encore que la mine va rouvrir puis que tout va reprendre comme avant. Pauvre lui. Oh, avec tout ça, je me demande ce qui peut encore nous arriver. En tout cas, c'est une consolation de savoir qu'on pourra jamais être plus mal pris quand même qu'on voudrait. Qu'est-ce que vous voulez, je pense aux enfants. Louis! Louis! Lisette! Lisette! Bonjour, Madame Chose. Bonjour, Lisette. Depuis combien de temps que je te répète qu'on dit pas Madame Chose, on dit Madame Lamotte? Ça va porter ça dans la cuisine, dîner va être prêt, ce sera pas long. Là. Attention aux œufs, hein? Attends, gardons ce que t'as l'air. Oh, on dirait que c'est né pour nous faire honte. N'oublie pas de ramener ton petit frère, hein? On va pas le chercher, celui-là. Oui, maman, bonjour, Madame Shaw. Ah oh, oui, vous savez, dans une autre ville, ça sera pas pareil. On pourrait élever, on pourrait garder propre. Bon, ben bonjour, Madame Shaw. Hein? Bonjour, Madame Leblanc. Chercher de l'ouvrage? Inquiète-toi pas, je vais revenir gérant de la mine ou rien. Essaye donc, Aristide, de chercher sérieusement pour une fois. En tout cas, moi, je suis sérieuse, Aristide. Vas-y, go.
toi. Surveille, Tipien m'a dit de surveiller. C'est pas Tipien, le chef, c'est moi. Allez, viens. Pierre, ferme la porte, voyons. Hé, hey, regardez, vous autres! T'es bien beau, toi. Y a-tu quelqu'un de mort chez vous? Tu sais bien qu'ils déménagent cet après-midi. C'est pour ça que les pops demandent. Hé, hey, t'as une tache, ta cravate. Pas vrai, c'est une cravate qui tache pas. Puis, t'as trouvé? Le serment d'abord. Approchez tous. Donne-moi ton couteau. Non, non, pas celui-là, ton gros. Levez tous la main. Répétez, je jure sur mon honneur. Je jure sur mon honneur. D'être fidèle et courageux. D'être fidèle et courageux. De jamais reculer devant le danger. De jamais reculer devant le danger. Ni devant les bandits. Ni devant les bandits. D'obéir au shérif. D'obéir au shérif. Qui est-ce qui va être le shérif? Je le jure. Je le jure. Bon, le serment est fini. Hé, attends, attends. Puisque tu déménages, il te faut un serment spécial. On continue. Même dans les pays étrangers. Même dans les pays étrangers. Je jure d'être fidèle. Je jure d'être fidèle. Et en guise de preuve. Et en guise de preuve. Je donne mon couteau à Louis Leblanc. De mon cou. Hé, hé, pas fou. Je donne pas mon couteau. Un couteau de même. Ton serment est moins bon si tu donnes pas ton couteau. Je donne pas mon couteau, puis mon serment est bon pareil. OK, parce que tu déménages, tu viens de garder ton couteau. Mais tu vas promettre de ne rien dire de ce qu'on prépare pour après-midi. OK, je promets. Mais qu'est-ce que vous préparez? T'as pas besoin de le savoir, tu t'en vas. Lisette, apporte les insignes. D'abord, j'ai droit à mon insigne. Non, non, pas d'insigne, tu t'en vas. Oh, oh. Chef de pompier, merci, Louis. Tu fais pas un bon chef de pompier comme je fais un bon maire. T'as l'air d'une chenille à poil. T'es pas trop grand pour faire un vrai chéri. Va porter mon lapin à la maison. Juste le maire et le chef des pompiers. Venez ici. Regardez. Ça, c'est la mine. Ça, c'est la route. Ça, c'est le repère. On prendra pas cette route-là, c'est trop dangereux. On va prendre l'autre. Toi, Pierre, tu vas commencer tout de suite à préparer ce que je te dis. T'as compris? Je t'assure, Juliana. C'est une petite vacance que je veux prendre avec les enfants. On n'a pas l'intention de s'installer chez vous. Tu penses une idée? Oui, on pourrait arriver demain par le train, par exemple. Comme ça, on vous dérangerait pas le jour du lavage. Hein? Oh, c'est entendu, Juliana? Bon. Bon, ben, à demain. Dérange-toi pas pour venir me chercher à la gare. Non, non. Juste nos deux valises. Lisette, t'as la peine. Non, non, je parle au lapin. Bon, tu vas voir comme Lisette et Louis sont pas mal commodes. Ils vont tout de suite être amis avec les tiens. Mm-hmm. Louis pourra même aider ton mari à sa plomberie. Tu vas voir comme il a grandi. Bon, mais comme ça demain, hein? Bonjour à toute la famille. C'est ça. Vous y avoir honte d'obliger votre mère à mentir à votre tante Juliana. C'est-tu possible? Oh, si le gouvernement voyait ça, il nous couperait bien l'assurance chômage. Oh, j'ai faim. Mais comme ton père. Grignote toute la journée parce que tu as faim. Hé, mange pas si vite, là. C'est ça? Rien, maman. Pas un signe du premier de classe, en tout cas, hein? Tant que je monte ton dernier bulletin à ton père. Moi, maman, je sais ce que c'est. Louis, c'est un chéri.
Shérif? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien, maman. On joue. Hein? J'espère au moins que vous préparez rien de mal. Non, maman. Regarde, la presque fini. Manque juste ce tuyau. Papa prend le nom, papa est toujours chez nous. Oh, attends, attends. Oui! Oui, loin de toi, pas de la maison. Faut que j'aille me faire remonter les cheveux, puis je veux pas que ton père trouve la maison vide quand il rentrera. T'as compris? Ok, mais. Hit, Pierre, un vrai pompier à coche sa hache après son camion? Lève-la, ton tuyau. Oh, bonjour, madame. Bonjour, homme. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais à temps. T'as bien les billets, hein? Ah oui, maman. Ah bon. Puis occupe-toi de la petite. Surtout, mouche-la bien, parce que je veux pas l'avoir montée dans le train avec le nez qui coule. Ma sacoche? Oh mon Dieu, je l'ai, là, tiens. Mon couteau, donne-le à Louis. Dis-lui que je lui donne. Roland, reviens! Roland! Roland! Pardon, ma belle-fille, mais c'est très dangereux de marcher sur la traque avec un gros couteau de même qui pourrait te couper le bout du nez. Vous êtes pas frais. De plus, tu vas être bien gentille à tourner chez toi tranquillement. C'est pas une bonne idée, ça? Non. Hein? Va, va, ma belle-fille. Hé, hey, reculez, vous autres! Touche pas, toi! Ok, ok. Attention, l'eau s'en vient. Hé, hey, fais attention, tu vas le défoncer! Pas solide, mon. Pas solide? Je dis que tu pousses dedans, grand niaiseux. Si t'es pas content, faut te fodier. Oh, assez, assez. Où est Lisette? Je sais pas, moi. Ah, celle-là est toujours en retard. Bon, vous les jeunes, vous allez suivre en arrière, OK? OK. Okay. Allons-y! T'as apporté ce qu'il faut? Les allumettes. Colin, j'oublie les allumettes. Laisse faire, je m'en prends, j'appellerai. Tiens, t'as accroché ta hache à ton camion. C'est beaucoup mieux comme ça. Puis, t'es à la gare? Oui, Roland m'avait donné son couteau. Ah, puis c'est pas de tes affaires, petit Pierre Gingras. En tout cas, Louis, t'es pas content? Si Louis est pas content, je vais dire à Mac de me cacher. C'est pas bon ça, Lisette. Et voilà, en route pour la mine. Thank you.
De l'œil d'or. Aristide! Tiens, je viens de l'ôter à ta fille. Merci. Puis, as-tu trouvé l'ouvrage? Au lieu de chercher à Noranda, t'aurais dû aller voir à Val d'Or pour la job que je t'ai parlé. Ouais, mais j'ai ma maison ici. Hein? Je vais être proche quand la mine va reprendre. Ça paraît que le prix de l'or va remonter. Si le prix de l'or remonte. Un bel espoir, c'est moins une idée si tu peux attendre longtemps. Sans rancune. Allez, salut. C'est donc 20 valeurs pareilles. Vivre sur l'or, pas avoir d'argent pour aller chercher. Lisette, si t'as peur, c'est pas encore t'en aller, tu sais. Alors, vous êtes prêts, vous autres? Bon, allons-y, les gars. Je savais pas que t'étais là, j'étais chez la voisine me faire coiffer. J'arrive. Je vais te préparer quelque chose à manger. Non, j'ai pas faim. Les enfants? Bah, pff, au quelque part, on s'amuse. Puis? Pas d'ouvrage. Diamond Drilling qui cherche un gars, mais faudrait que j'aille m'exiler en Ongava. C'est bien dire au bout du monde. Il y a bien aussi la petite mine Murphy qui promet de m'engager peut-être à l'automne. Ailleurs, t'arrives là, on te fait signer un tas de papiers, on fait son beau, on se fait poliment mettre à la porte. On regrette, M. Leblanc. En attendant, on crève. Aristide, j'ai pris une décision. M'écoutes-tu? J'ai fait des arrangements pour aller vivre à Val d'Or chez Juliana. Oh, ben juste quelque temps, juste te donner la chance de trouver de l'ouvrage par là-bas. Et Juliana est d'accord, elle dit même que ça lui ferait plaisir. Son mari aussi, je suppose, ça lui ferait plaisir. Mais comprends donc, Aristide, qu'on ne peut pas élever des enfants dans une ville comme ça. C'est vrai que la mine peut reprendre, mais on ne peut pas l'attendre. On vit tous les jours, nous autres. Les enfants. Les enfants sont heureux, les enfants. Oh, puis c'est moi qui risque de devenir folle à force de les voir rôder parmi toutes ces maisons vides. J'ai même pas la force de les retenir, ni le courage de les surveiller. Surtout dans mon état. Puis comprends donc, Aristide, travaille ou pas, il faut s'en aller. Mais il y a d'autres villes, d'autres mines. S'en aller? C'est facile à dire. Juliana accepte, je l'ai dit. Ta sœur?
On n'a pas demandé à charité, ta sœur. C'est pas demandé à charité. C'est pas demandé à charité, ça? On s'en va chez eux. On couche dans leur lit. On mange à leur table. On donne leur 5 cents à la messe le dimanche. C'est pas demandé à charité, ça. Mais moi, ma femme, j'appelle ça quinté. Non. Merci. En tout cas, Aristide, c'est décidé. Tu restes ou pas, moi, je pars demain avec les enfants. Je regrette seulement. Je regrette rien. On va faire un petit tour. Au bout de 2 jours, je serai bien contente de revenir. Aristide. Ça va même pas fumer, ça va être shérif. Ferme-la. Donne-moi le gaz. Passe-moi la cigarette. Ça va être bonbon. Hé, Louis, mais ça pas trop. Ah, oh, je sais ce que je fais. Que personne ne bouge. Et attendez mon signal, hein? C'est très important. OK, Louis! Oui, reste là. Attends le signal de Louis. OK. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là-bas? Ben quoi, j'essaye! Attends mes ordres. Attention! Donne le signal. La mine va brûler. Cours, cours. Oui, je donne le signal, on peut pareil. Ça s'en vient-tu? Y a pas d'eau. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Y a pas d'eau. Et ça y était. On aurait eu le plus beau feu. Le vent était du bon bord. T'as raison, belle fille. Le vent était du bon bord, autrement. Oui, ton frère. Des vitres cassées, des batailles, des couteaux. À présent, le feu. Qui a eu cette idée-là? Allez bon. C'est Louis, hein? C'est pas un mauvais gars, ton gars. Mais c'est quand même du beau travail. J'ai travaillé ici de 5 ans. Regardons ça à présent. T'es si mort, on dirait que c'est la fin du monde. Dire que quand je suis monté ici, je pensais de me mettre riche. T'es pas si pauvre que ça. T'as l'âge de recommencer.
T'as rien qu'à suivre la mine quand t'as changé de place. Passe à moi 60 ans, toujours la même petite gare. Je regarde passer le petit train matin et soir, puis ça finit là. Non, ça ouvre là-bas, tu sais. Y a-tu papa? Mets ton linge, Lisette, veux-tu? Pas souvent, j'ai du linge sur la corde un samedi après-midi. Surtout depuis que les enfants sont grands. C'est décidé. Décidé? On déménage à Val-d'Or. C'est Juliana qui va être contente. Non, non, non. Pas chez ta sœur. À notre maison à nous. Chez nous. L'ouvrage, il y en a là-bas. Si tu es contente, je sais pas quoi dire. Puis pas d'un mois. Lundi prochain. Oh, ben Aristide, si tu savais. Oui, je sais. Je sais. On recommence. Toi, va chercher ton frère. Pas fâché? Oh, il a déjà tout oublié. C'est vrai qu'on déménage? Oui, on va à Val-d'Or. À Val-d'Or? Y a-t-il des mines là-bas? Certain. Viens. Car dans les régions minières, l'or n'est pas la richesse, mais la vie. Quand on le découvre, il faut l'extraire avec peine. Quand il s'épuise, il faut le chercher ailleurs. L'or, pour ceux qui en vivent, et toujours à recommencer.